Bonsoir, salut, salut, bonsoir. C'est Sœur Wilkin qui est entrée la CAINO, année 2022, par la grâce de Dieu. Je dis à ces premières émissions que nous gagnons pour l'année 2022. Nous disons Seigneur merci pour le privilège que nous avons. Nous disons bon Dieu merci parce que vous avez regardé nous là, vous êtes bénédiction pour nous. Et nous disons bon Dieu merci le fait que nous sommes bénédiction pour vous. Et nous disons bon Dieu merci tout le fait que nous permettons de traverser l'année 2021 et que nous sommes là nous en février 2022. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Même j'ai été en bénédiction pour nous donner leçon pendant l'année 2021. Depuis 2020, nous avons commencé. Donc, l'année ça a encore fait nos 2 ans. Nous disons bon Dieu merci. Et nous sommes sûrs que l'année ça, par la grâce de Dieu, nous avons une belle expérience ensemble. Moi prie, moi souhaite que vous ayez une bonne année. Et moi prie que la parole de bon Dieu soit capable de boussole pendant toute l'année ça. Pour ne pas jamais négliger. Même j'ai dit à Josué, méditez le jour et nuit pour capable agir fidèlement dans tout ça qu'on va entreprendre. Donc ça c'est vrai pas pour moi et pour vous-même. Donc nous connaissons, c'est savons la parole, nous pour prier et je dis à nous entrer avec une série toute neuve qui c'est les armes spirituelles que nous pour parler jeudi. Mais avant, nous armer nous pour prier ensemble. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour amour, pour ton miséricorde, pour fidélité dans la vie nous. Nous disons merci Seigneur Dieu d'amour pour le privilège que nous pour que nous soyons capables là encore une fois en Nessa 2022. Et nous disons merci Seigneur Dieu fidèle parce que permet que nous soyons capables de prendre tant d'absence ça et qu'on y a encore par ta grâce nous retourner. Nous disons merci pour ça Seigneur Dieu fidèle et qu'on y a côté que nous pral et qu'on y a côté que cher Seigneur Dieu d'amour nous pral enseigner leçon parole. Nous demandons permet que qu'il y ait bénédiction pour chaque grain de monde Dieu fidèle qui branche qu'on y a qui va brancher à l'avenir. Et que chaque Seigneur Dieu d'amour est capable de bénédiction pour nous-mêmes, capable de lier à Seigneur Dieu. Et pas quitter que c'est juste parole en l'air, mais que parole soit capable de faire route, chaque Seigneur Dieu d'amour est capable de toucher des cœurs, chaque Seigneur Dieu d'amour, même le cœur le plus dur. Nous comptons sur fidélité au Père. Nous connaissons que ça, on ne va pas faire, mais avec grâce, nous sommes capables de faire au-delà de ça, nous sommes capables de penser et planifier. Nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit toute la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce qu'on parle? Are you ready? Estás listo? Sous parle dit? Yes, yes, yes. Ok. Je dis, hein, le son de la que tu as dit déjà, c'est les armes spirituelles. Question pour vous, c'est Are you a soldier? Êtes-vous un soldat? Est-ce que vous êtes un soldat? Ça, c'est question pour poser. Faut la capgade à vola ou bien tes amis capgade à vola. Mandel, est-ce que l'issue est un soldat? Qui ça le dit? Ok. On entre dans le son. Ou même qui ne te connaît, faut qu'on connaît que nous toutes que bon Dieu relè, nous toutes que bon, qui fait appel. La paix avec Jésus, qui un jour t'es choisi par Jésus la vie, non? And it's not about age. You can be 4 years old, you can be 7 years old, you can be 10, you can be 100 years old. You need Jesus. Depuis que bon Dieu t'es fin relé et qu'on répond à l'appel, you are settled for war. Why? Because there is an invisible war going on. That's what we say, invisible. That means you don't see it. I don't see it, but it's happening. Donc, c'est ça qui fait Mando, est-ce qu'on est soldat? Parce que tout le monde qui choisit suivre Christ, bon Dieu, il est là pour venir dans l'armée, pas là. Why? Because there is a war between God and Satan. There is a war. And dans toute leçon, on a fait une leçon sur péché, etc., etc., etc. Tout ça, le monde qui est à la base de tout péché, ça, etc., tout ça qui a fait scandale, qui a fait bon Dieu détruire la terre, tout ça, c'est pas l'autre monde qui est derrière elle, c'est Satan. And that war is going on every day. C'est every day, c'est chaque jour que n'a fait face avec bataille ça. And remember, it's invisible. It's not like le USA aller en Irak et puis al goumé, etc., bombarder, etc., au goumé, etc. C'est pas something that you can see with your naked eye. But it's something that is happening in the spiritual world. Now, pas jamais gen moun ki wèl, comme ça avec Dieu, j'en vais regarder la caméra. It's not the case, but it's happening no matter what. Even though you don't see it, you might feel it sometimes, but it's happening. I know that spiritual war may seem like it's a fantasy ou bien fairy tale ou bien it's like a movie or a book. No, that's real. It's happening. Like I said, you don't see it, but it's happening. Et ça qui fait, la parole fait provision pour nous. Dans Ephésiens chapitre 6, il m'a dit pour nous mettre les armes de Dieu. Il m'a dit pour nous mettre les armes sur nous, pour nous habiller nous. Raison, parce que nous sommes en bataille. Same way,
soldat américain les lois langues l'habillé Haïti pas gagne l'armée encore but soldat américain il mettait you know il mettait uniforme les souliers puis l'assurer que valise dans dos plein avec boulettes sam li kebe nan men comprendre l'assurer que c'est comme ça parce qu'il prend la guerre same thing as Christian you cannot just go to war bare feet and then naked et pour la guerre you're gonna be dead up front. C'est ça qui fait bon Dieu mande nous pour nous habiller nous et je dis à nous pas go over the armor but for the I think for the 6 or 7 next lesson that we're gonna have chaque jour n'a parlé de on armor separately pour qu'on connaît qui Jean au cap protéger tête tout non guerre ça que n'a mené. OK guys, now la Bible mentionné que Satan a attaqué nous. L'a attaqué nous d'ailleurs la Bible dit nous ça li a attaqué nous jour et nuit. Why? Parce que li pa vle nous faire ça qui fait bon Dieu plaisir. Li pa vle nous vivre dans volonté bon Dieu. And if you remember the lesson that we saw previously, et m'ka bon quelques exemples tout simplement. In the beginning. Remember in the garden of Eden, dans jardin d'Eden, ça qui t'est passé. Bon Dieu dit pas manger fruit. The fruit of good and evil. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu dit pigade manger. Qui ça Satan dit? Satan dit Eve. Did God really say so? Dieu a-t-il réellement dit? Bon Dieu dit ça vrai? Ça veut dire qu'il met un doute dans tête Eve pour prendre fruit pour manger. Raison parce que il connaît depuis manger, il a désobéi bon Dieu, depuis désobéi bon Dieu, il a accès dans la vie yo pour venir entrer, venir attaquer, venir faire ça, venir faire. And guess what? Eve listened to the devil and what happened? Now, the whole humankind became slaves. Tout moun net kounya la, including you and I, nous tout net la kounya nous besoin, nous tout net nous fait nan péché, nan goum avec nature, ça qui c'est le péché. Peut-être qui ça parce que Adam avec Eve te geta désobéi, donc they pass it on. Donc c'est ça qui arrive depuis de la création, Satan allait là avec Eve, et nous prenons qui ça qui va le passer après. Après Adam et Eve, li pral entre nan Cain, qui ça va faire Cain fait? Cain gonna be jealous of his brother, little brother. Li pa jis jalous, okay, I'm mad at you and stuff. No, he killed him. He killed him because bon Dieu te accepte offrande pa Kayen, pa Abel la, li pa accepte pa Kayen. Bon Dieu pa accepte offrande pa la, au lieu que ta jis di, okay, I'm gonna think about it, maybe I'm gonna do something better next time, et puis ma bien wrap it up, ma bien présenté, ma prepare kem, etc. Bon bay bon Dieu, non. He was jealous, even though God says that. Ou gon bagay nan cœur ki pa bon, ou pa supposé, etc. Pa ki te domine sou. Mais il pas attendé. Il dit frère là, on sortit dans le jardin. Et bien il prend ça le fait avec lui touyel. Donc tout ça sorti qui côté dans Satan. Et l'autre bagarre encore nous après Cain avec Abel, nous human kind, il vient tellement evil, il vient tellement faire bagarre qui mal, bagarre qui l'aide dans Dieu bon Dieu, qui ça bon Dieu choisi faire bon Dieu choisi voyer en flood to destroy them. Tout ça c'est histoire que nous t'ai ouais année passée. Donc bon Dieu voyez flood pour détruire peut-être que ça parce que tout ça l'homme a fait. C'est bagarre qui fait bon Dieu fâché. Garçon à marié, fille à marié, il pas besoin bon Dieu, il a juré, il a fait bagarre qui l'aide, bagarre qui sale, il dit pas besoin bon Dieu à vivre sans bon Dieu, a fait tout à fait sans bon Dieu et bon Dieu fâché parce que péché a fait monter dans elle, les sales et qui est seulement qui t'est sauvé, c'était seulement Noah. Remember the flood, 40 days and 40 nights, only Noah et puis on perd dans chaque animal qui impurio et 7 paires dans chaque animal qui pur. Donc c'est comme ça bon Dieu t'a sauvé qui fait moi-même aujourd'hui à nos carrés sacrés les bœuf, nos car consacrés les cabrites, nos car consacrés les moutons etc. parce que bon Dieu t'a conservé dans espèce ça. Donc après ça, ça va passer pour lui toujours. Il passe dans tête l'homme encore dit ça, OK, let's build a big tower. OK? N'a fait lui pour que bon Dieu capable venir interrompre mon encore venir détruire la terre etc. Ça veut dire ça t'a toujours bring ideas. Li toujours avait ses faire bagaille pour mettre nous en it's like he always getting us in trouble. Keep that. Satan toujours avait ses his best pour faire nous get in trouble with God. That's what his plan is about. C'est ça plan Satan. Get us in trouble. Faire nous prendre tomber dans problème avec bon Dieu. C'est ça Satan vient faire. Li vini pour lui mettre nous dans problème avec bon Dieu. Et ça fait dans Jean chapitre 10 verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober. Li vin fè ki sa li vin volè, li vin égorgé, ça veut dire li vin égorgé, couper cou et puis il vient pour le détruire. Détruire ça ou gagner, détruire ou même.
Mais Jésus dit, moi-même, moi venu pour me bailler la vie et la vie en abondance. En anglais, il dit, the thief comes only. Only. Il va venir faire l'autre bagaille. No other job than stealing, killing and destroy. And destroying. C'est ça seulement il vient faire. Mais Jésus, il est venu pour venir bailler la vie et la vie en abondance. Donc, the only way, seule façon que Satan pas qu'à kill, steal and destroy, seule façon que Satan pas qu'à déobé, li pas qu'à égorger, li pas qu'à détruire, c'est le you and I put on the armor of God. C'est le moment avant nous mettez rad spirituel yo sous nous, zam spirituel yo sous nous, nous mettez yo sous nous, nous armez nous et nous pral well next week ou in the following weeks. Là nous gen zam nan ki jan nou ka protéger corps nous encore protéger. Par exemple, m'bal go fè pou nan Ephésiens chapitre 6, n'ap pral bon Dieu ba nou pour tête nous, li ba nou pour cœur nous, li ba nou pour pied nous, li ba nou pour main nous, li ba nou et cetera, li ba nou épée pour m'goumen. Li ba nou zam raison parce que li connaît ennemi a attaqué de toute part. Donc li équipé ou assez pour qu'on capable rester campé ferme. Donc seule façon que ennemi pas ka égorger ni détruire ni tuer, c'est le que ou put on the armor of God. Now, things that you need to know and let me finish tout ça me dit là, yon bagay ou doit keep in mind and if you don't remember anything, sou pa son jan yen nan sa me dit là, try to remember that God already won the battle. Bon Dieu gagne bataille là déjà. Bon Dieu gagne déjà. Nous-mêmes avec nous besoin armure ça et pas pour nal goûter pour bon Dieu. OK? C'est pour capable marcher dans victoire ça que bon Dieu ba nous. God already won the battle. What we need the armor for, c'est pour capable marcher dans victoire ça. So we can walk in that victory. So we can ça afin que chaque jour nous capable marcher dans la victoire. Ça veut dire you not defeated today and tomorrow you have victory tomorrow, defeated the other day and then victory. That's not the way it is. It's not ups and downs. It's not ups and downs. But bon Dieu veut pour nous marcher dans victory constantly. Et ça veut dire put on the armor of God and then et pas put on for one day or one week or one month. C'est pas pour mettre une seule fois par semaine ou bien une seule fois par mois ou bien pour mettre pour un mois ou mettre pour une année après ça mettre à terre. Constamment ou supposé quitter zam spirituel yo sou constamment ou de toujours armé parce qu'on par contre qui les ennemis a venir même j'ai un soldat qui na guerre l'aime tout ça déjà me débat exemple soldat américain les al la guerre c'est pas les pas les pour like have fun, oh we're going to the club, we're gonna dance tonight, etc. Non, c'est pas mon cal la guerre. Mon cal la guerre c'est zam à la main puis jo tout côté ou avec côté ennemi sorti pour être attaqué en avant. That's the way it's supposed to be for us as Christian ou ces soldats. Donc jour tout côté ou veiller quel que soit côté, quel que soit whatever the scheme, quel que soit trick ennemi a utilisé pour être détecté et puis pour moi m'être traité ça la vienne faire. Donc that's the way it's supposed to be. Pour ça fait, faut qu'on gain armor of God là sous tout temps. Donc dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 à 18 que m'a pas lire pour nous. M'a lire en français, l'a sous screen en anglais. OK? OK, Ephésiens chapitre 6. Li dit verset 11 à 18, li dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les OK, on commence dans verset 10. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. OK? Toutes les armes, so we can stand strong against all the schemes of the enemy. Stand strong, seule façon nous capable camper ferme, résister the scheme of the enemy is by putting on the armor of God. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins, the belt of truth, et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans le verset 18, là, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. OK? Ça, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Il dit, be strong in the Lord and in his mighty power. The only way you can be strong in the Lord is by keeping in mind, knowing that God won the battle. Bon Dieu gagne la bataille déjà. Seule façon qu'a camper femme dans bon Dieu, c'est l'organe en tête que bon Dieu gagne la bataille déjà. The first lesson that you should know, c'est que bataille we are in a spiritual war. Nous gon combat spirituel que n'a mené, and it's not only for adults. Children too are dealing with the same thing. As long as you accept Christ as your personal savior, depuis que c'est chrétien, big or small, 5 years old, 10 years old, 20 years old, 100 years old, quel que soit l'âge, depuis que accepter Jésus, ça c'est premier bagage de connaître ou dans la guerre. That's why you must be a soldier, cause ça bon Dieu après l'a chercher, c'est soldat. You are a soldier. It's not about age. It's about the choice that you make, which is accept Jesus. Okay. Now, the second thing that you're supposed to know and you're supposed to remember, c'est que bon Dieu gagne la bataille déjà. God is victorious. God already won the battle. Il gagne la bataille déjà. Okay. Now, the third thing that we're supposed to know is that in order for us to walk, God won the battle. Nous-mêmes nous supposons marcher dans la victoire. Bon Dieu gagne la bataille là, nous-mêmes nous supposons marcher dans la victoire, ça que bon Dieu ba nous. Il ba nous victoire parce que Jésus est venu, il mourit, il ba nous victoire sur péché, donc on a la longue à marcher dans la victoire ça. Now, qui ça pour nous faire pour nous marcher dans la victoire ça? Daily, I'm not talking about monthly, weekly, yearly, daily, hourly, secondly. Donc avec every second, every day, every hour, every minute. Seule façon où doit marcher pour marcher dans la victoire ça c'est là où connaît que moi gonna moi a kembe en mulan sous moi. I'm not gonna take it off. I'm gonna keep it on at all time. Ou supposé quitter en mulan sous en tout temps, chaque jour, à toute heure. Peut-être qui ça parce qu'on pas connaît qui l'ennemi a attaqué. OK, ça fait que tu as trois bagages où doit connaître. Premièrement, de pour accepter Jésus-Christ on a bataille. It's not about age, it's about the choice that you make, which is to accept Jesus as your personal savior. Second thing, God won the battle. Deuxième bagage où vous connaissez que bon Dieu gagne la bataille déjà. He gave us victory. And the third thing that you're supposed to know is, as a Christian, we must walk in that victory daily. Nous supposons marcher dans la victoire ça que bon Dieu bat nous chaque jour. Et qui j'en a marché dans la victoire ça chaque jour, c'est pendant que nous avons put on the armor of God. Same way that we take a shower daily, nous bain chaque jour, nous bosser dans nous chaque jour, OK? C'est même gens tout, l'important pour que chaque jour, même jour mettre de sous, l'olé pas marcher tout dans l'aria, ou pas l'école tout ni, ou pas marcher tout dans cala. Same way ou supposé mettre ça sous tout. Et nous t'ai déjà pour, c'est casque du salut, c'est ceinture de vérité, c'est casque du salut, c'est cuirasse de la justice, c'est shoes of peace, le zèle que donne l'évangile de paix, c'est l'épée de l'esprit, etc. C'est la cuir, et tout ça, tout six âmes ça, ou doit gagner sous même. Et nous comptons, dans la semaine qui vient là, pour nous parler de chaque grain d'âme ça, séparément. Et là, nous finissons de parler de eux même séparément. Et là, ça nous dit qui sont doués faits avec toutes âmes ça. Déjà, nous disons, nous devons tout mettre dans but at the end, I'm going to tell you how you can keep them on. Actually, let me tell you right now. The way you're going to keep them on is by prayer. Et ça fait dit dans verset 18, il dit, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Il dit, par des prières et des supplications. Ça veut dire toujours à prier. Ça veut dire, yes, you put them on. The way you're going to keep them on is by prayer. Le fait qu'on toujours appelle la prière, bon Dieu a préservé de toute chute, de tout ça que il mettait sur vous.
Donc, tout le monde, sachez que nous avons bataille. Bon Dieu a gagné la bataille déjà. Nous-mêmes, nous supposons marcher dans la victoire. Et que nous marchons dans la victoire, c'est là que nous choisissons de quitter l'armure ça sous nous. OK, guys? Donc, samedi prochain, si Dieu veut, nous prenons le premier armure que nous besoin quitter sous nous, qui c'est ceinture de vérité. Ou encore, belt of truth. That's what we're going to talk about. OK, guys? Now, on nous prier pour nous dire bon Dieu merci pour aujourd'hui. Pour que li capable aider nous si ou pas un soldat, cause remember the question that I asked at the beginning, are you a soldier? Est-ce que son soldat? Êtes-vous un soldat? Si ou pas un soldat, donc depuis jodi à la même, mande bon Dieu pour que li capable aider ou à prendre position comme étant soldat. Et je te dis déjà, depuis ou accepte Jésus-Christ ou entre dans guerre. Donc si ou même cap garder là ou pour accepter Jésus-Christ, m'a invité ou à faire ça ensemble avec kounye à la même si ou voulez faire ça. Donc si vous voulez faire ça, répétez après. Seigneur Jésus, moi dis merci parce que tu es mort pour moi. Je dis à même, moi d'accord pour entrer dans la vie moi. Pour capable seul maître et seigneur moi. Pour capable contrôler toute la vie. Et pour capable vivre pour et pour seulement. Amen. Dès que tu fais prière ça avec tout cœur, Jésus-Christ t'entend, il prend note et définitivement qu'on y a là où il fait partie de l'armée. Donc, puisqu'on fait partie de l'armée, m'a invité tout soldat à prier ensemble avec nous pour demander bon Dieu aidez-nous à toujours kembe armure nous on et pour nous capable continuer gourmer contre toutes scams, contre toute ruse que l'ennemi a utilisé pour lui venir faire nous sauter la volonté bon Dieu. Donc, on prie ensemble. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour amour, merci pour bonté, pour miséricorde, pour fidélité dans la vie nous. Seigneur, on a demandé autant prie mon Dieu fidèle que le son sage, cher Seigneur Dieu, capable de faire route dans le cœur chaque grand petit monde qui branche, cher Seigneur Dieu. Quand nous connaissons que mon Dieu fidèle, ennemi en tout l'a utilisé, zam palio pour le détruire à un très jeune âge, raison parce que le connaît que depuis le commencé dans la première année, donc il tout assuré semence pour futur. Mais nous connaissons que mon Dieu fidèle, puisque victoire ça ou déjà gagné, puisque nous avons déjà gagné la bataille là, donc ça fait nous remettre chaque grand petit monde qui devant, kounya la même, chaque ça qui branche, kounya, chaque ça qui va gagner pour brancher pita. Et qui a tant de leçons ça jodi en Seigneur Dieu là maman d'autant prie aider à connaître que son soldat dans armée Paul là Seigneur Dieu et ou pas demander pour tant des années mais yo doit résister à diable depuis kounya et puis vivre pour même depuis kounya tout Seigneur Dieu ba grâce pour qu'ab dit non à péché ba grâce pour qu'ab ferme même je m'en demande pour camper ferme Seigneur Dieu et pour qu'ab résister contre les ruses du diable nous compter sur fidélité au père nous prions au nom de Jésus à lui seul soit gloire dans tous les siècles amen. Alright, guys, moi espère que le son jeudi a été en bénédiction pour nous et songez que you are a soldier. Ou c'est un soldat, de pour dire yes à Christ, ou c'est un soldat. Alright, n'après samedi prochain si Dieu veut, we're gonna talk about what again? Belt of truth. Alright, bye bye. Remember to share with your friend, pour un monde qui peut que j'aime t'aider même, et puis dis-lui subscribe pour que chaque samedi à 6h, on peut rentrer la caille nous ensemble. Bye bye.